Et salut à tous les amis, c'est Jordan2238 pour une nouvelle vidéo. Et on va se retrouver sur la vidéo sur The Witcher Wild Hunt, donc The Witcher 3. Donc un jeu que j'attendais vraiment avec impatience, même s'il est sorti il y a un an. Voilà, donc un jeu fabuleux, des bons graphismes, une bonne histoire et à ce qui paraît il est vraiment très long. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, Le j'ai contact déjà du sorceleur fait Amelène la était partie, un donc certain les Hendrik, premières missions. espion Donc je impérial vais vous opérant un demi-tour montrer dans cette la région ravagée par présentation la de guerre. ce petit Witcher. Sa mission? Et après, on Collecter va des se quitter. informations sur Ciri. Donc là, j'en suis à peu près dans l'histoire quand on va retrouver Ciri, en fait. Voilà. Que je suis à la recherche de Ciri. Oui, j'ai passé déjà les missions 1, 2, je pense. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la deuxième partie de la carte. Parce que la première, j'ai tout fini. On se retrouve sur la deuxième. Donc vous allez voir. Franchement, super bien ce jeu. Dommage que les temps de chargement soient un peu longs au début. Mais après, ça va. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment fabuleux ce jeu. Vous avez plusieurs épées, vous pouvez changer plein de choses, hein. C'est un vaste choix. Et voilà, donc on se retrouve là. Niveau 4, oui d'accord. Oui, parce que là en fait j'ai libéré un petit truc là. En fait il y avait des créatures, fallait les tuer et on a réussi à mettre la population en sûreté. Vous voyez, on peut même prendre le bateau, c'est génial. Alors attendez, je vous montre la carte. Donc, carte du monde. Donc voilà la carte du jeu. Bon, elle est vraiment pas mal, hein. Elle est très très grande, je trouve. Avec ça, c'est les panneaux d'affichage. Et quand vous les activez, en fait, ça vous donne toutes les positions des points comme ça. Et des quêtes secondaires. Donc voilà, il y en a plein partout et tout. Voilà, ça c'est la deuxième map. Après il y en a plusieurs de maps, hein. Il y a ici donc Velem, terre désolée, c'est où on est. Vous commencez à Blanchefleur au début. Donc, vous voyez que la carte, bon, elle est vraiment grande, hein. On voit pas mais elle est pas mal. Après vous commencez, après vous, donc vous faites l'histoire, vous allez ici, après bon, moi je me suis arrêté ici, mais plus tard il y aura Palais Royal de Wizima. Voilà, donc juste un palais. Donc je peux même y aller maintenant si je veux. Il y a Novigrad. Donc ça c'est le haut de la carte. Nous on était plus bas, voilà, et là c'est Novigrad. Ensuite on a Archipel de Skellige, c'est carrément les îles et tout, faut explorer, voilà, comme ceci. Donc explorer ici, hein, les îles. Après et la dernière c'est Kaer Morhen, où va Vesemir avant que l'hiver se passe, en fait, avant que il y a la neige, ils disent. Voilà, donc c'est ici. Mon avis, il doit y avoir des montagnes avec la neige et tout. Bref, voilà. Réserve. Donc, je crois que ça, c'est juste un palais. Hein. Voilà. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sinon? Parce que je vous ai juste fait les plans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Alors, le problème, c'est que vu que j'ai fait que des quêtes secondaires, je n'ai pas beaucoup avancé l'histoire. Et le problème, c'est que là, je suis allé au panneau d'affichage et ils m'ont dit voilà, tu dois aller là là là. Le problème c'est que j'y suis allé, bon là ça va, c'est bon, donc c'est libéré, non pas là, là. Mais le problème c'est que là il y avait le point aussi, mais je peux pas battre les amis parce qu'ils sont trop forts. En fait quand il y a une tête de mort, ça veut dire qu'ils sont plus forts que vous. Et voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là là, parce que là il y a un trésor caché, objet de valeur. Et c'est parti, on met le point. Allez, go. Voilà. Donc, vous avez la quête principale qui est là-bas, en jaune. Et moi, je vais aller à la quête secondaire qui est ici. Donc, on peut ramasser un peu de tout, hein, dans The Witcher 3.
C'est vraiment grand. C'est où, c'est où, c'est où? Parce que là, il y a vraiment c'est lettre non envoyée. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ah, ah d'accord. En gros, c'est une quête qui se déclenche. Bon, on va la suivre. On va faire la quête. Alors, utilisez vos sens de sorcière pour trouver la caisse tombée du bateau du passeur. Ok, donc c'est une petite quête. Des fois, quand vous trouvez ça, il y a des quêtes. Alors, je vois qu'il y a des ennemis sur la carte. Donc, on va quand même y aller. On va prendre l'arbalète. Voilà, que j'ai amélioré. On ne sait jamais. Alors, déjà là, il y a voilà, bac des aimants, nouveau marqueur. Ok. Donc là, il y a des ennemis en bas. Ah, ils sont plus forts que moi. Bon, on va quand même faire la quête. On va faire doucement, on va faire attention. Vraiment très, très attention. Donc, là, déjà, il y a un coffre. Épée. Hop, hop, vite. Quête terminée. Donc, vous voyez, la quête est déjà terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite sortir de l'eau parce que là, ça commence à être dangereux. Le problème c'est que si je les tue, je vais avoir du mal, vu que ils sont plus forts que moi. Bon bref. Bah c'est déjà bien, on a trouvé le petit trésor, là, la petite quête. C'est pas mal. Donc ça c'est la quête principale qui est sur le côté là, chercher l'agent nommé Hendrik Euler de Bourlande. Ok. Ok d'accord. Alors, après vous avez plein d'autres trucs aussi. Hein. Dans le menu vous avez donc les glossières, donc bestiaire, c'est tout ce qui est loup et bête. Si vous voulez des renseignements, comme un moment vous devez aller dans les quêtes, les premières quêtes secondaires, vous devez aller chasser un spectre de midi au puits hanté, et en fait il vous donne ce que c'est vulnérable en fait. Utiliser ça là et c'est vulnérable à ça, donc c'est pas mal. Voilà, donc c'est des petits conseils. Après, dictatiel, endroit important. Ah, j'ai pas vu ça. C'est tous les trucs importants. Personnage, donc ouais, j'ai même pas vu ça aussi. Donc, ça, c'est tous les personnages que vous avez vu déjà dans le trailer, quoi. Dans le quand vous avez vu chaque fois les personnages, je vous les marque hein, et donne la définition. Voilà. Ensuite, vous avez les livres. Donc les livres que vous récoltez et les lettres que vous récoltez aussi. Vous avez les artisanats, tout ce qui est pour fabriquer des objets à partir de vos ressources. Ensuite, vous avez tout ce que alchimie, c'est pour fabriquer ou des potions ou des bombes artisanales. Voilà. L'inventaire, c'est ce que j'ai sur moi, donc ce que j'ai ramassé. Donc ça, c'est tout ce qui est armure et armes. Ça, c'est tout ce qui est bombes et potions. Ça, c'est que à manger. Ça, c'est des objets de quête, en fait, ce que vous trouvez dans les objets de quête. Et ça, c'est artisan. Poudre de perles. Ok, d'accord. Voilà. Il y a ça. Après bon, vous avez la carte du monde comme je vous montrerai vous. Il y a les quêtes, donc vous pouvez donc vous voyez que les quêtes principales, j'en ai pas beaucoup faites, du coup il m'en sort plein. Par contre les quêtes secondaires, il y en a qu'une. Cœur sauvage, donc si je l'active, on pourra donc faire la quête. Mais je veux pas le faire pour l'instant. Les personnages, donc ça c'est des compétences. Je sais pas si je peux là. Oui normalement je peux. Attends, là ça améliore à fond, du coup on va mettre ça. Voilà. Donc ça c'est pour le combat attaque rapide. Vous voyez, attaque rapide, il y a attaque puissante, défense, adresse au tir et fureur du guerrier. De guerrière. Et pour finir, on a les méditations. Donc ça c'est pour passer la nuit, donc c'est plutôt pratique. Donc si vous voulez mettre le jour, vous pouvez le mettre. Si vous voulez mettre la nuit, ben voilà. Ça c'est pas mal. Donc vous voyez même dans ce jeu en fait ce qui est bien fait c'est vraiment le vent aussi. Regardez les arbres, ils bougent par rapport au vent, c'est incroyable moi je trouve. Ah ouais, on peut même cueillir des fleurs pour faire des potions et des bombes artisanales. Donc vous voyez franchement
Les graphismes, c'est un truc de malade. Donc, il y a les nuages qui se déplacent bien, les arbres aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas faire les quêtes maintenant. En cas, je ferai une deuxième vidéo sur un peu des quêtes secondaires, que des quêtes secondaires, voilà, n'importe lesquelles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différents coins. Donc, on va aller à. On va aller au château, là, c'est où le château? Voilà, Wizima, c'est ici. On va aller là. Ah ouais, mais le problème, c'est que il me faut. Parce que c'est un peu chiant, parce qu'en fait, il faut trouver. Vigne curative. D'accord. C'est un peu chiant parce que sur cette carte, il faut trouver. Aller ici pour se déplacer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le cheval. Donc, pour appeler le cheval, il faut faire un petit bouton de joystick là, deux fois. Alors, le cheval s'appelle Ablette. Allez. Et c'est parti, on va aller au point. Là, je vais vous montrer les combats comment c'est. Regardez, je vais descendre mon cheval. Regardez comme c'est, hein. Super bien. Oula. Alors, attendez. Hop. On va prendre le feu. Voilà, quand vous les avez tués, après vous pouvez prendre des trucs, mais là, je sais pas pourquoi je veux pas. Ah oui, là. Ah, attendez. Voilà. Voilà, là on peut prendre des choses, vous voyez. Viande de fruits et tout pour me bouffer ou quoi. Oula. Alors, le problème c'est que là il est plus fort que moi, lui. Mais vu qu'il y a un mec qui le défend, ça doit aller bien. Je pense. On pourra le tuer, je pense. Oula, il m'enlève beaucoup de vie. Regarde, il m'attaque et enfin, je fais des. Oula. On peut nous se nourrir. Ah, il part. Il s'enfuit. Hein. Ouais, il nous disparaît. Hop, on esquive. Hop. Ah, je vais aller le tuer. Hein. Aide-moi, toi. Ouais, c'est bon. Ouais. Vous voyez que quand même, ils sont vraiment très très résistants. Ça, c'est des. Je sais pas ce que c'est en fait. Bon, alors, on va aller au point pour vous montrer. Il est mon cheval. Il est là. Allez, c'est parti, Jordan, go. Je vais dire Gérald. Pardon. Vous voyez, il y a encore des loups, un peu des loups de partout et tout. Bon, bref, on va pas les combattre. Oui, petit doute. Ils font sur moi là. Non, c'est bon. Alors là, donc là, on arrive au point rapide. Donc, vous voyez, avec ça, on peut se déplacer. Donc on va aller ici, dans le royaume, Gérald pour un retrouva peu Yennefer visiter. et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour On va de un son peu pays visiter et qu'elle ici courait un pour grand voir danger. le petit château là, Gérald se lança donc à tranquillou. la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Donc les chargements sont si longs là. Ah quoi que non, ça va. Voilà, donc là on est à l'entrée du château. Alors attendez 2 minutes. Voilà. Donc là on est à l'entrée donc du château. Oh, il y a des gardes. D'accord. Je sais pas pourquoi ils disent tout le temps ça. Je crois peut-être c'est une lime. Une lime comme ça, je sais pas. Bon, on va voir un peu, on va visiter. Donc vous voyez que c'est vraiment beau dans le château. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qui est dans le Moyen Âge, il y est. Il y a même le trône, quoi. Le trône du truc, on dirait un peu le trône de Game of Thrones. Bon bref. Oui, vu que je suis un sorceleur aussi, je peux éteindre les lumières, mais là je peux pas le faire. Hein. Oh. Puissent les dieux vous protéger.
Il a cassé une vitre lui, non? Ouais, je sais pas. Il a dû ramasser. Il doit ramasser les bouts de verre ou quoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais ils ont tous cassé des vitres quoi, en fait. Hein. Alors là, c'est quoi ça? C'est quoi? Parler. Non, on va pas parler. Ah oui, c'est la cour. D'accord. Oui, donc là, on est dans la cour du château. Ah ouais, c'est vraiment beau quand même. Hein. Par contre, il y aurait pas une un genre de point pour une vue quoi. Ah là, là, il y a une mission à faire. Ok, on la fera plus tard. Hein. On fera dans la vidéo des quêtes secondaires en cas. Ce sera mieux. Après, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos que celle-là. Je ne sais pas. Moi, je dis qu'il y aura une autre vidéo peut-être. Je sais pas. On verra. Verrouillé. Ok, une clé. Karine. Il faut une clé, d'accord. Wow. D'accord. Alors là, on rentre dans une salle. Bah, la clé, elle est là, non? Ouais, c'était ça. Ah là, il y a la carte du machin. Ah là, vous voyez, on peut éteindre les lumières avec le sorceleur. Ah oui, là, c'est en fait dans la mission. Il faut retrouver Ciri, en fait. Et en fait, on vient ici au début. Si je ramasse les machins, ils vont pas être contents. Ils vont me prendre pour des voleurs. Pas le faire. Par contre, il y aurait pas quelque chose. Il y aurait pas un point de vue ou quoi à regarder là. C'est vraiment dommage ça. On va voir, mais bon, et je sais pas si. Hein. Karen va de garde, va calme. Ah ouais, ils disent toujours les mêmes phrases en fait. Là, on se retrouve sur la cour normale. La cour. Là, il y a une porte. On peut accéder. Voilà. Ah oui, là, c'est où on vient au début aussi. Il n'y a pas une tour et accéder ou quoi. Verrouillé. C'est une blague. C'est verrouillé de partout, là. C'est une blague. On peut descendre. On va descendre pour voir ce qu'il y a. J'ai bugué, là. Donc on peut ramasser, ouvrir. Verrouille. Ah ouais, c'est simple, hein. Ils me disent ouvrir et c'est verrouillé. D'accord. Bon. Et là aussi c'est verrouillé. Hein. Bon, je suppose qu'on peut pas y aller. Hein. Si c'est verrouillé. Un arbre pour aussi. Là on peut, mais ça revient au même, non? Ah oui, ça c'est dans la mission aussi quand on débute là aussi. En fait, on peut pas voir l'extérieur, quoi. C'est que l'intérieur du château. Ça c'est dommage. Peut-être dans les quêtes après, on pourra regarder. Je sais pas. On peut pas en fait hein. Parce que là après c'est voyage rapide. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir de là, ça sert à rien de rester. Alors on va aller ici où j'ai commencé ma première mission. Geralt retrouva Yennefer et le sourire, mais un événement capital attendait le sorceleur. Donc à chaque fois que vous changez de cœur, une cinématique était de retour comme ça. De son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche. Une fois c'est bien, après ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Et en plus un petit temps de chargement. Et voilà, là on est à Blanchefleur où on débute les premières missions de l'histoire. Vraiment très beau le ciel. Ciel rouge. Avec donc le soleil au fond. J'adore ce jeu, franchement, il est énorme.
J'adore. Regardez les étoiles et tout, c'est magnifique. Oui, donc il y a toujours le vent. Hein. Ah, je vous montrerai un peu les fonds, un peu. Comme ils sont. Ils sont bien faits. Hein. Voilà, comme c'est bon. Il y a des moulins un peu partout. Il y a plein de choses. Plein de trucs amusants à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Là, j'ai cru qu'il faisait caca derrière le buisson. Bonjour. Bonjour, c'est un paysan en fait. D'accord. Les amis, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui caguait derrière les arbres. Les arbustes. Bon, bref, on s'en fout. Donc, vous voyez, tous les points que vous avez vus tout à l'heure, en fait, c'est tout ce qui est ça. Ça c'est tout ce que j'ai déjà fait. Ce que vous voyez là, comme ça, c'est ce que j'ai pas fait, mais en fait, j'ai pas fait parce qu'il me manque des choses. En fait, c'est un nid de monstres et il me manquait une bombe à fabriquer. En fait, il manquait un truc à fabriquer. Du coup, j'ai pas pu machin. Et là, j'ai pas. Là, je peux y aller parce que j'ai atteint la limite de machin. Non. Mais là, je peux pas y aller parce que il y a le crâne et que voilà. Je voudrais voir si je peux fabriquer une bombe. Ouh, non. Une main. Ah bah oui, c'est la bombe. Bon, c'est ça. Il me manque un truc. Il me manque calcium. Ingrédient chimique. Il me manque ça. En plus, c'est un objet rare. C'est dur à trouver. C'est quoi ça? Tenez, on peut prendre. On va voler le paysan. Moi, je prends tout. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Parce que je crois que j'ai tout présenté le jeu là. Moi j'ai tout présenté le jeu. Les quêtes. Donc ça c'est le principal. Quêtes secondaires sont là. Terminé donc beaucoup. Par contre je suis un peu deg. Je suis un peu dégoûté parce qu'en fait si vous voulez, il y a aussi des échecs. Et le problème c'est que la première mission. Quand j'étais dans la première carte, j'avais pas activé les quêtes secondaires, je les ai pas activées, et je sais pas, je pense qu'ils étaient déjà activés, mais je savais pas comment on faisait pour les désactiver ou quoi. Et puis j'ai suivi l'histoire principale, et puis ils m'ont mis en échec que j'ai eu ça. Voilà, bon, deux échecs comme ça. Bon, c'est pas si grave, mais bon. Pour deux quêtes ça va, mais ça aurait été plus voilà. Déjà je suis un peu dégoûté, mais bon bref. Donc ici dans cette map je pense qu'il n'y a pas d'autres quêtes à part les trucs à récolter. Ouais, il n'y a pas de quêtes ici hein, par ah ouais, peut-être à part ça c'est où ça, Velen? Non, je crois que c'est pas ici Velen. Attendez, Velen. Non, c'est pas ici, Velen. D'accord. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation de The Witcher 3. Donc c'est pas vraiment une présentation, quoi, une petite présentation, c'est vraiment une grande présentation. Ah oui, je voudrais vous dire aussi... vous pouvez aussi voler des chevaux comme ici même. Moi je vais pas le faire parce que sinon je vais être poursuivi. Vous pouvez aussi donc dans la nature des fois il y a des chevaux en liberté, vous pouvez les attraper, donc en choisir les attraper et les monter. Et voilà. À la place de Albert. Albert je sais pas qui, voilà. Ah il est joli leur petit éventail là. Bon bref. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça fait toujours plaisir de faire des vidéos comme ça. Donc voilà. Donc mettez un petit like si ça vous a plu. Et surtout abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Franchement c'est beau. Le truc que je comprends pas trop c'est que je sais pas si ça existe. Des routes comme ça où... c'est pas un pont mais c'est genre vous passez dans l'eau comme ça et il y a même pas... Il y a 3 cm d'eau. Ouais, vous allez carrément dans l'eau là-bas. Il doit avoir un mètre, deux mètres de... Bon bah je s'en fous. C'est comme jeu, hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi je dis à ciao ciao et ciao ciao.